Monsieur James, j'espère que tout va bien. Bonjour, madame. Bonjour. Où se trouve le chef? Il est allé chez Igwe pour une réunion. Mais j'espère que tout va bien. C'est une longue histoire. Longue histoire? Allons d'abord à l'intérieur. James! Oh. Pourquoi es-tu revenu avec Uche? J'espère que tu ne l'as pas ramené pour de bon. J'aurais espéré vraiment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Itié, je ne peux plus continuer de vivre avec ton fils. Il a ruiné mes affaires. John Fokuibe. Qu'est-ce que tu as dit? Uche n'est plus ce jeune garçon que j'ai connu. Il a changé. Uche ne peut plus me respecter et il vole mon argent et ça il... Ça suffit. Comment oses-tu accuser mon fils de vol? Hein? Je ne suis pas en train de l'accuser. Je te dis juste la vérité. Il n'est plus question qu'il vive avec moi. Tu m'insultes en traitant mon fils de voleur devant moi. Oui. Uche, qu'est-ce qui s'est passé? Papa, n'écoute pas cet homme. Écoute, si tu veux te débarrasser de moi, eh bien fais-le. Et va-t'en. Papa, je n'ai que pris 1000 naira pour m'acheter à manger parce que j'ai faim. Et c'est pour cela qu'il me traite de voleur. Et que signifie ces conneries? Débarrasse-toi de moi et va-t'en. C'est un menteur. Ce garçon est un voleur. Uche. Ton fils a vendu plus de 12 000 naira de marchandises sans rien me donner. Ça suffit comme ça. Comment oses-tu traiter le fils d'Ichi Aguaka de voleur? Un garçon qui a vécu avec toi pendant plusieurs années. Si tu ne peux plus prendre soin de lui, c'est mieux que tu le dises. Au lieu de venir ici et inventer toutes sortes d'excuses. Comment peux-tu parler ainsi? Combien de temps as-tu fait avec moi? Nous ne pouvons pas nous mettre à parler d'installation. Cela fait à peine 2 ans qu'il a emménagé chez moi. Ce que tu aurais dû faire en tant que père, c'est de le prendre en aparté. Chercher à connaître la vérité avant de prendre aparté. Ça suffit comme ça, maintenant. Va-t'en de chez moi. S'il te plaît, si je ne suis pas venu ici pour qu'on se... Va-t'en, va-t'en de chez moi. Que moi, je quitte ta demeure. Oui, oui. Que je quitte ta demeure. Tu verras. Je m'en vais. Va-t'en, immédiatement. Attends, tu auras de mes nouvelles. La vérité sortira. Que le tonnerre te frappe. Mais... S'il te plaît, essaye d'écouter Monsieur James. Pense à notre fils Uche. Tais-toi. Même si Uche s'est mal comporté, comme il le dit, est-ce que c'est de cette manière qu'il devrait gérer ce problème? C'est vrai, je suis désolée. Mais je pense que si je... Tais-toi. Et arrête de parler. Je ne veux plus entendre un mot. Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu me frappes? Tu devrais être heureuse que je suis rentrée. Tu supportes cet homme? Cet imbécile, maman, tu prends son parti. Ok, oh.
Pendant combien de temps encore vas-tu continuer de faire le deuil, mon ami? Hein? Tu as toute une vie devant toi. Quelle vie? Itché, mes coucous, comment pourrais-je profiter de la vie sans la présence de mon mari? Qui pourra maintenant m'aider à prendre soin de mes enfants? Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu sais quoi? Ce n'est pas bien pour une si belle femme de rester sans compagnon. Laisse-moi devenir ton compagnon et aussi une figure paternelle pour ses enfants. Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire? Laisse-moi prendre soin de toi. Donc, c'est ce que tu es venu faire chez moi? Donc, c'est ce que tu es venu faire, te moquer de moi dans mon veuvage? Non, non. Je suis venu te réconforter. Je n'ai pas besoin de ton réconfort. S'il te plaît, va-t'en. Écoute-moi bien. Ma chère, tu n'as pas besoin de me demander de partir. Parce que ça se verra bien sûr comme une insulte. Parce que je suis Itché. Tu devrais avoir honte de toi. Regarde-toi. Tu dis être le meilleur ami de mon mari. Et tu es là à raconter des bêtises et malgré qu'il vienne de mourir. Nkoli, il n'y a que les vivants pour prendre soin des vivants. Je n'ai pas besoin de ton aide. Écoute, ma chère. Je prendrai soin de moi et de mes enfants. Mais non, va-t'en. Nkoli, ne dis pas des choses que tu pourrais regretter. Je n'ai pas besoin de ton aide. Va-t'en. Dégage. Je m'en vais. Je m'en vais de la maison de ton mari. Les enfants, bien joué. Je voudrais que vous sachiez que malgré que votre père soit mort, vous pouvez compter sur moi comme un père. Ok? Merci, monsieur. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez un problème. Et je ferai en sorte que vous ne manquez absolument de rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, mes enfants. Au revoir. Oncle Mikoko est tellement gentil. Mais c'était l'ami de notre père. Bien sûr, mais c'est pas tout le monde qui est gentil après la mort de son défunt ami. Eh bien, espérons qu'il soit gentil comme il a promis. Oh, la mort. Ah, je suis devenue l'objet de toutes les moqueries. Je suis devenue l'objet de toutes les moqueries. Ah, Ukoko. Ukoko. Ikena. Papa. Dis à ta mère que je vais rencontrer Itché et Meko. Hmm? Ouais. Dis-lui de prendre une partie de la viande de brousse pour me cuisiner une très bonne sauce, hein? D'accord, papa. Hmm? Je lui dirai. Qui est ce jeune homme? Papa, mais c'est Paul, le fils d'Okachu. Quel Okachu? Papa, celui qui vit près du marché. Oh, oh, je vois, je vois. Hein? Alors, dans le fils d'Okachu a une si grosse voiture. Hein? Ok. N'oublie pas de transmettre mon message. D'accord, papa. Au revoir.
Alors, ok. Vas-y. Itié, même si ce terrain appartient au père de Nduka, j'ai déjà commencé à construire dessus. Et vous savez combien j'ai dépensé sur ce terrain. Que faites-tu qu'on fasse? Je sais que vous êtes très proche du roi. Alors je voudrais que vous défendiez ma cause. Comment voudrais-tu qu'on s'y prenne? Et tu sais que ce cas sera présenté à la prochaine réunion chez le roi. Oui. N'est-ce pas? Prenez d'abord ça. Ne vous en faites pas pour ce que je vous donnerai, si ce cas est jugé en ma faveur. Ok. Nous ne savons pas du tout ce que tu as dépensé, mais nous pouvons imaginer. Mais nous t'avons bien entendu. Ne l'avons-nous pas bien entendu? Bien sûr, nous l'avons entendu. Ok. Nduka ne t'arrachera pas du tout ce terrain. Pas du tout. Tu construiras sur ce terrain. Oui. Ouais. Personne ne pourra te le prendre. Merci, mes aînés. Merci beaucoup. Oui. Oui. Vas-y maintenant. Je vous remercie, mes aînés. Ok. C'est super. Mes très chers aînés, ce jeune homme est un bon garçon. Bien sûr. Oui. Voici 70,000 Naira. Ça, c'est très bien. Je vais maintenant le partager. Vas-y. Mets un peu une partie de côté pour notre visite chez le guérisseur. Définitivement. Quand nous mangeons, le tibia mange aussi. Très bien parlé. Non. Nous allons faire le partage. Hadoukanga! 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 Tu ne m'as jamais déçu. Et tu ne le feras jamais. Tes serviteurs sont venus implorer ton aide. Montre tes pouvoirs. Montre tes pouvoirs. Hadoukanga! Quels sont vos vœux? Demandez-les à Hadoukanga. Hadoukanga, Nkoli, la femme de mon défunt ami Okonkwa, s'est moquée de moi quand je suis allé lui avouer mes sentiments. Je veux que le monde se moque d'elle. Je veux que ses enfants soient une source d'angoisse pour elle. Je veux que tout le monde se moque d'elle. Alors, Hadoukanga, exauce-moi. Hadoukanga dit qu'il y a de la douleur, de la misère et de la malchance dans toute la maison. La maison d'Nkoli. Merci, Hadoukanga. Hadoukanga, James a ramené mon fils de la ville pour se moquer de moi. Je veux que James retourne au village, couvert de honte et pitoyable. Voilà mon souhait. James est de retour pour le village, pauvre et couvert de honte.
Adukanga, j'en veux à Paul, le fils d'Ukachi. Ce jeune homme est passé devant ma cour avec une arrogance à me saluer. Et pour aggraver les choses, la disperser la poussière partout dans ma cour. Qu'il devienne aussi poussière que ça le consomme. Adukanga. Je vois des gens remplis dans la concession d'Okachi en train de faire le deuil. Cette voiture qu'il a utilisée pour renverser de la poussière sur toi ne sera plus jamais utilisée. Adukanga! Qu'est-ce qui ne va pas avec mes yeux? Non, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive plus à voir. Comment ça, tu ne vois pas? Va laver ton visage. Ce sont mes yeux, je n'arrive plus à voir, je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Suis-je en train de devenir aveugle? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, il dit qu'il n'arrive plus à voir. Seigneur Jésus, il maman, je n'arrive plus à voir. Non, so. Tu peux me voir? Maman, je n'arrive pas à te voir. Regarde-moi, non? Ouvre les yeux. Maman, je suis en train d'être aveugle. Ouvre les yeux, Nonso, ne raconte pas des bêtises. Mais tu ne peux pas devenir aveugle. Regarde-moi. S'il te plaît, Nonso. Nonso, ouvre les yeux, Nonso. Nonso, tu ne peux pas être aveugle. Nonso. Arrive. De quelqu'un m'aide. Nonso, qu'est-ce qui s'est passé, Nonso? Nonso, 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 Nonso. Maman. Nonso, tu ne peux pas devenir aveugle. Aidez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Igwe. Voilà ce que je propose concernant ce problème. Je pense que nous devons laisser, ok, continuer ces travaux sur ce terrain. Parce que rien ne prouve que ce terrain appartient évidemment au père de Nduka. Igwe, j'ai des preuves. Mon grand-père a planté un très grand arbre sur ce terrain. Mon cher, ferme-la et assieds-toi. Nous t'apprenons la culture de ce village si tu ne la connais pas. Et Boudankui, Oudala, ce n'est pas une preuve. Ton grand-père a planté, ce n'est pas une preuve. Pas du tout. Pas du tout. Ok, a dit que son défunt père a cultivé sur cette terre pendant des années. Et ensuite, il le lui a légué comme héritage. Oui. Où étaient les autres membres de ta famille pendant tout ce temps? Depuis toutes ces années? Alors tu ne peux pas rentrer maintenant et nous dire que cet arbre qui a poussé tout seul est une preuve que ce oui, terrain t'appartient. Pas du tout. Ça ne s'est fait nulle part. Igwe, il y a deux aînés qu'on pourrait solliciter pour ce problème. Et ils sauront à qui appartient cette part du terrain. Votre Majesté, bon, je suis d'accord avec les dires d'Obierika, Igwe. Il y a une à deux personnes âgées dans ce village qu'on pourrait solliciter pour ce problème. Oui. Serais-tu en train de dire que nous ne sommes pas assez matures?
vont décider sur ce cas. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessaire de contacter qui que ce soit sur cette affaire. Ah ah! Faut-il fortement être vieux pour connaître la vérité sur cette affaire? Hein? Ce n'est pas un problème. C'est une affaire d'homme. Hein? Ah! C'est pour cela que nous avons remonté jusqu'aux racines de cette affaire. Maintenant, si c'était vraiment le terrain de Ndoka, eh bien, pourquoi a-t-il permis que le père de Hoke prenne possession de ce terrain quand il était encore vivant? Et pourquoi l'a-t-il permis de l'utiliser depuis tout ce temps? N'est-ce pas de l'argent dont nous avons besoin pour entretenir un terrain? L'argent? De quelle somme d'argent as-tu besoin pour cultiver un champ? Hein? Le père Doki a laissé ce terrain à la mère Doki qui a fait un champ dessus. Et personne ne l'a jamais réclamé. Personne ne l'a jamais réclamé, Igwe. Personne n'a rien réclamé à cette femme. Ok. Pourquoi est-ce que tu n'as pas interpellé Hoke quand il avait commencé la fondation de ce bâtiment? Pourquoi? Igwe, je pense que nous n'avons plus besoin de preuves pour savoir à qui appartient ce terrain. C'est possible que quelqu'un fasse un champ sur le terrain de quelqu'un d'autre. Comme il est possible pour quelqu'un de construire sur le terrain de quelqu'un? Obioreka. Est-ce que quelqu'un a déjà cultivé sur ton terrain? Réponds. Hein? Est-ce que quelqu'un a déjà cultivé sur ton terrain? Il ne s'agit pas de mon terrain. Ah. Oui. Pas du tout. Ah. Namdi et toi, tu devais répondre à cette question. Cette question ne m'était pas destinée. Dans ce cas, la ferme. Et ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Tu oses me demander ce que je connais? Oui, c'est la question que je te pose. Tu oses me demander ce que je sais, mais pour qui est-ce? Ferme-la, il va t'asseoir. Va t'asseoir et arrête de me demander ce que je sais. Fais très attention. Ça suffit, ça suffit. Je vais m'asseoir. Tu vas faire très attention. Va t'asseoir. On verra bien ça, tu verras. Vous avez vu comment elle a osé me parler? Un rat d'égo. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Toi? Ça suffit tout ça. Tu verras. Je sais ce qui se passe. J'ai compris le problème. J'ai entendu tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Il y a un détail important. Et le fait est que le père de Hoke a cultivé sur ce terrain quand il était encore vivant. Bah oui. Et Hoke pourra construire sur ce terrain. Qu'il continue avec son chantier. C'est ça ma décision. Igwe! Igwe! Je souhaiterais que vous revoyiez cette décision. Surveille ton langage, jeune homme. Comment oses-tu insulter notre roi devant nous? Comment oses-tu? La ferme! Quand les aînés commencent à confondre le blanc au noir, c'est que le temps est venu pour les jeunes de chercher refuge ailleurs. N'importe quoi. Igwe! C'est une insulte, c'est une insulte envers le roi. Igwe, punissez-le. Écoutez, ce jeune homme, il mérite... Oui, il mérite d'être puni. C'est incroyable. Hey! Nous n'allons pas laisser la rage d'un chiot nous contaminer. Laissez-le, asseyez-vous. Igwe. Oui, mon fils. Mazini, je vous remercie infiniment pour votre sagesse. Je suis reconnaissant envers vous. Vraiment, Igwe, ce jeune homme est très intelligent. Regardez comment il se comporte. Il a pris la peine de se lever avec respect et s'est adressé à vous poliment et avec respect. Ne t'inquiète pas, tu retrouveras la vue. Désolée. Ouvre les yeux. Nonso, ouvre les yeux, ok? Ouvre les yeux. Non, mais ça fait Nonso, mal. Nonso, s'il te plaît. Nonso, fais l'effort. Nonso, s'il te plaît. Fais l'effort. Nonso, s'il te plaît. Ça va aller. Allez, vas-y. Peux-tu voir quelque chose?
Je ne parviens toujours à rien voir. Je ne peux pas. Je n'arrive à rien voir. Non, non. Non, ça, tu ne me vois pas. Maman, je n'arrive à rien voir. Non, non, ça, tu dois me voir. Tu dois me voir. Non, non. Ne t'en fais pas. Non, so, non, so, non, so, non, so. Tu dois me regarder, regarde-moi. Non, so, non, so, non, so, non, so, s'il te plaît. Non, so, tu peux pas s'il te plaît, regarde-moi, non, so, regarde-moi, s'il te plaît. Oh, mon Dieu, au plaisir, s'il te plaît, mon Dieu. Non, so, non, so, oh, non. Ce n'est pas possible, il n'arrive plus à me voir. Il n'arrive plus à me voir. Non, s'il te plaît. Que quelqu'un vienne m'aider. Non, so, non, so, non, so. Non, tu ne peux pas devenir aveugle. Non. Tu ne peux pas. Ne t'en fais pas, Nonso. Tu ne peux pas devenir aveugle. Hey, hey, oh! Stop, stop! Que faites-vous ici? Écoutez. Si vous savez ce qui est bon pour vous, partez d'ici. Je ne voudrais plus jamais vous revoir ici. C'est mon terrain. Et je suis prêt à tout pour le regagner. C'est clair? Écoutez, monsieur, je n'ai rien à vous dire. Allez parler avec Oké. Ah, je dois aller voir Oké. Plus on pêche, plus on se rapproche de la mort. J'ai pitié pour ce jeune homme. Ce jeune homme est mort, et c'est inévitable. Il est impossible pour une souris de se mesurer à un éléphant. Elle n'avait aucune chance. Mm-hmm. Il n'y a qu'un enfant têtu pour jouer avec le feu. Le feu vive. Elle se fera brûler par la suite. Oui. Oui, nous n'avons pas besoin de rappeler à qui que ce soit que nous sommes les lions de ce village. Bien sûr. Hein? C'était trop dur pour Nduka d'admettre que nous sommes les plus puissants dans le conseil du roi. Oh. C'est trop demandé. Les jeunes de nos jours. Hein? C'était de trop? C'est pas vrai. Il a dû apprendre par la manière forte. Nous nous rabaissons devant les autres. Et ils doivent aussi se rabaisser devant nous. Tous les membres de la communauté d'Umokoro. Oui. Ce sera ainsi. Emekuku. Je vous respecte tous les trois. Et j'apprécie votre amitié. Nous apprécions également la tienne. Et c'est pour cela que nous t'avons apporté ceci. Je les reçois avec beaucoup de gratitude. Oh, je t'en prie. Et même si vous ne les avez pas apportés, j'apprécie toujours votre amitié. Merci beaucoup. Nous Merci. Te remercions. Tu es le gardien de Umokuru. Merci infiniment. Et John Fokuive. Obiageli. Obiageli. Papa. Viens prendre ces choses. Bienvenue. Ah ah. Merci, ma fille. Magnifique fille. Ils doivent nous écouter. Ta fille est vraiment très. Ah oh, oui. Vous voyez, nous devons d'abord faire les affaires. Thank you.
Regarde comment tu manges. Maintenant, tu te réjouis. Chaque fois que je te demande de l'argent, tu grognes comme si je t'avais demandé le monde entier. Quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Maintenant, tu manges bien, non? Hein? C'est délicieux. Il y en a suffisamment dans la cuisine si tu en veux encore. Hé, hey, Ikenna, c'est quoi ce bruit? Maman, c'est Paul. Qui est ce Paul? Paul, non, le fils de Okachu. Est-ce que je le connais? C'est l'homme qui avait chassé le pasteur dernièrement, avec une arme. Oh, oui, je me rappelle. Je me rappelle. Que lui est-il arrivé? Son corps vient d'arriver dans une ambulance. Hey, hey! Mon Dieu! Hé! Hey, c'est tellement triste! Mon hey. Dieu! Oh, hey. Il était encore très jeune! Hey! Maman? Ils ont dit qu'il était sur le point de se marier. Hey, tu te rends compte? Hein? Hey! Qu'est-ce que ce jeune homme a fait pour mériter ce genre de fin? Hein? Oh, la mort! Tu es si cruel! Pourquoi? Oh! Hey! Bienvenue. Ton mari était un homme responsable et très respecté. Alors nous n'avons eu aucun doute ni de peur lorsque notre fils aisé nous a dit qu'il a vu une jeune fille dans votre maison. Est-ce que j'ai bien parlé? J'ai bien parlé. Merci, Mazier. Bien. J'aurais souhaité que mon frère soit en vie pour vivre ce moment. Mais comme on le dit, soyez les bienvenus. Merci. Bien. Notre venue ici est de s'assurer si ce que notre fils nous a dit est réellement vrai. Et après cela, nous partirons et reviendrons pour faire les choses proprement. Aisé. Es-tu sûr que c'est ici que tu as vu la jolie fleur? C'est ici, tonton. Je suis très sûr de moi. Très bien. Alors, quel est son nom? Elle s'appelle Ada. Adézé. Je vois. Mais, y a-t-il dans cette maison une fille ou une dame? Tu s'appelles Adézé. Oui, Adézé. Appelez-la. Ada! Je ne sais pas si c'est la jolie fleur dont vous parlez. Je vais l'appeler. Adézé! Oui, maman. Viens. Bonsoir, mes aînés. Bonsoir, ma fille. Comment vas-tu? Adézé. C'est cette Adézé que tu as dit avoir vue? C'est elle, tonton. C'est ma pierre précieuse. Dans ce cas, nous sommes au bon endroit. Ada! 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 Papa! Ada! 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 Thank you.
Ok, chérie. Je serai de retour aujourd'hui, désolé. Pourquoi ne pas se voir le soir? Votre Majesté, merci de nous recevoir. Nous avons réalisé que notre village ne pouvant évoluer sans notre aide. Devons-nous attendre que le gouvernement fasse tout, surtout dans les zones rurales? Nous sommes allés dans différents endroits et nous avons vu comment ces endroits ont été développés par leur peuple. Et nous pensons faire de même ici. C'est pour cela que nous sommes venus. Soyez les bienvenus. Comme on le dit souvent, que ce soit à l'est ou à l'ouest, vous êtes les bienvenus. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, j'ai personnellement décidé de contacter certains investisseurs qui viendront dans ce village pour construire un entrepôt. Et cet entrepôt emploiera pas moins de 100 personnes. Je vais aussi améliorer la situation d'électricité de notre village. C'est très gentil de ta part, mon fils. C'est très gentil de ta part. Merci, Votre Majesté. En plus de cela, je vais créer des forages dans tous les coins du village. Oh! J'imagine que la population a besoin d'une bonne eau potable. Très bien, c'est très bien. C'est très bien. Votre Majesté, tous mes honneurs. Merci. Il y a un autre secteur qui a besoin d'être développé. Il s'agit du côté éducatif. Je sais que nos enfants sont intelligents et veulent avoir une bonne éducation. Et aussi de meilleures formations. Je ne voudrais donc pas que l'argent ou le manque d'argent soit un frein. Alors, j'ai décidé de donner une bourse d'études à 10 élèves des différentes classes qui seront choisis selon certains critères dans cette communauté. Et cette bourse sera valable pour le niveau secondaire et l'université. Ou même alors n'importe quelle institution qu'ils choisiront. La bourse sera plus bénéfique aux techniciens, comme des ingénieurs en informatique et médecine. Oh, mes enfants, votre détermination pour le développement de cette communauté me ravit le cœur et je vous serai éternellement reconnaissant. En fait, vous êtes la lumière de ce village. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, ceci est très, très, très petit comparé à ce que nous avons prévu pour ce village. À quoi sert notre richesse si nous ne pouvons pas participer à aider au développement de notre village? Très bien parlé, fiston. Combien de personnes là-dehors pensent-ils à leur village? En fait, je dirais à tout le conseil de venir vous remercier personnellement. Oh non, Votre Altesse, nous avons jugé mieux de vous prévenir. Et bien sûr d'avoir votre permission et votre bénédiction. Nous apprécions vraiment. Merci, Votre Altesse. Igwe, on va se dépêcher de rentrer en ville. Nous avons jugé mieux de venir vous prévenir et d'avoir votre permission. Vous avez mon autorisation. Et que les dieux et les ancêtres du Mokoro vous fassent encore plus prospères. Ici. Que vous ne manquiez jamais de rien. Ici. Votre Altesse, vous voudriez peut-être savoir que tout a été mis en place. Bien. Et les actions suivront le plus tôt possible. Merci beaucoup. De rien, merci. Merci. Très bien. Que les dieux vous conduisent, chevaux. Merci. Allez en paix. Hein? Thank you.
Mais ce n'est pas Monsieur James. Monsieur James. Oh. Comment tu vas? Et le village? Bien, tout va bien. Où est passée ta voiture? Tu parles de voiture. Tu devrais me demander si j'ai mangé. Mon frère, vivre en ville n'est pas facile. Ce n'est pas facile, les choses ne vont pas bien. Ne me dis pas que tes affaires ne marchent plus. Les affaires, je suis encore en vie. James! Les gens m'ont dit qu'ils t'ont vu quand tu rentrais. Alors j'ai préféré venir le voir moi-même. Bienvenue, Ichi. Ah, merci beaucoup. Tu es venu laisser mon fils? Ce n'est pas le bon moment pour en parler, Ichi. Ne vois-tu pas qu'il vient de rentrer? Sois de lui plutôt la bienvenue. De quoi est-ce que tu parles? Il doit y avoir de l'argent dans ce sac. Ichi, ton garçon est la cause de ma déchéance. Quel fils? Ton fils! Maintenant que je suis rentré dans ce village, il devrait venir manger ma chair. Manger ma chair! Ne sois pas idiot. Tes mauvais actes t'ont enfin rattrapé. Quand mon fils vivait avec toi en ville, tes affaires marchaient bien. Ensuite, tu l'as mis à la porte. Maintenant, regarde la différence, hein? Tous pareils. Bienvenue à Omokoro. Tu as envoyé mon fils au village pour qu'il meure. Mais tu mourras avant mon fils. Oui. Retour à l'envoyeur. Oui, je vais fuir. Tes mauvais actes t'ont rattrapé. Maman, tu es encore en train de pleurer. Ada, maman pleure encore. Oui. Non, maman, pourquoi pleures-tu encore, non? Que veux-tu que je fasse? Regarde ma vie. Regarde ma vie. Maman, s'il te plaît, ne pleure plus. Ada, regarde-toi. La famille des aînés n'est plus revenue. Maman, Izé n'était pas fait pour Ada. Hein? Celui qui est fait pour Ada viendra un jour.
Nonso. Nonso, tu ne sais pas ce que tu dis. Pourquoi est-ce que la malchance s'abat sur moi? Pourquoi? Même pour manger dans cette maison est devenu un problème. Maman, c'est parce que tu as refusé de demander de l'aide à Etier, mes coucous. Ada, je ne veux plus entendre le nom de cet homme ici. Mais pourquoi, maman? N'est-ce pas le meilleur ami de papa? C'est un homme gentil. J'ai dit que je ne voulais plus entendre son nom, s'il vous plaît. Pourquoi, maman? Il pourrait nous aider. Ada, je ne veux pas qu'on passe notre temps à manger pour de la nourriture. Ada, je ne veux pas faire honte à votre défunt père. Voilà la raison. Mais maman, ce n'est pas comme si nous étions en train de mendier. Non, s'il te plaît. Je t'en supplie, laissons tomber ce sujet, ok? S'il te plaît. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans cette famille. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis l'évangéliste Paul Chukwu. Je suis venu inviter cette famille à mieux connaître le Seigneur Jésus. Qui vous a demandé de venir? Qui vous a indiqué cette maison? Madame, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Et le Saint-Esprit m'a demandé de vous transmettre cette bonne nouvelle. Je le savais. Où était le Saint-Esprit quand ma famille s'est retrouvée dans ce genre de souffrance? Et quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle pour une veuve qui a deux enfants, dont l'un est aveugle et l'autre est estropié? Quelle est la bonne nouvelle? Hein? Madame, je peux voir que vous avez le cœur et l'esprit tourmentés. Mais je peux vous dire pourquoi? Ayez la foi, car il n'y a qu'un seul homme qui est venu sur cette terre juste pour vos malheurs. Venez à moi, vous qui êtes dans la souffrance et l'affliction, et je vous donnerai de la guérison. Évangéliste, je pense qu'il se fait déjà tard pour nous. Si Dieu voulait nous aider, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Non, maman. Il faut croire que Dieu puisse encore faire quelque chose pour nous. Bien parlé, mon frère. Vu que tu es intéressé, rejoins-nous pour une session de prière cet après-midi à la nouvelle église évangélique. Ma Bible me dit que si tu écoutes Dieu, tes problèmes seront résolus. Et je te promets, Jésus t'attendra avant que tu ne viennes. Merci, mon frère. Je connais cet endroit. Mais je ne peux pas m'y rendre tout seul. Je suis aveugle. Je le sais. Que l'Éternel soit loué. Quel est ton nom? Je m'appelle Nonso. Je connais Nonso Kompo. Le diable est un menteur. Je dis que le diable est un menteur. Frère Nonso, l'Éternel a pris conscience de ton état. Je veux que vous ayez foi en lui, car il est avec vous. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Notre Père qui est aux cieux t'a dit dans tes saintes écritures qu'un homme est censé te prier et te louer. Dieu éternel et tout-puissant qui est au ciel, si cette famille a péché contre toi d'une manière ou d'une autre, Père, je t'implore de les couvrir de ton sang précieux. Père, tu as dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ceci est ta parole et non la mienne. » Car tu as dit dans ton seul livre que ta parole ne passera point, mais le ciel et la terre passeront. Père Tout-Puissant, nous te demandons, Éternel, de venir et de manifester ta présence dans cette famille et d'en anéantir tous les plans de l'ennemi dans cette famille et aussi d'effacer toute empreinte du diable dans cette famille.
car à la fin, ils auront une raison de plus pour te louer. Père Tout-Puissant, merci d'avoir écouté cette prière, car nous t'avons prié par ton nom et au nom puissant de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Nonzo, Sœur Merci viendra te chercher en soirée. Je l'attendrai. Et j'attends aussi à tous les membres de cette famille. Écoutez, Jésus vous aime. Sœur Merci, allons-y. Nonzo, tu as entendu ce que le pasteur a dit. Aie confiance en Dieu et tu seras définitivement guéri. Je reviendrai en soirée. Au revoir. Nonzo, dis-moi, pourquoi est-ce que tu acceptes de marcher tout seul? Maman, quelque chose au fond de moi me demande d'accepter. Mais Nonzo, tu sais que ça va encore plus exposer notre famille. Comment un homme aveugle peut-il marcher tout seul? Hein? Maman, j'irai bien. Alors voilà la situation, chers aînés. Ces jeunes hommes m'ont impressionné par l'intérêt pour ce village. Oui, c'est comme ça que ça devrait être. Je souhaite que tous les autres jeunes hommes de cette communauté ramènent ici un tout petit quelque chose de ce qu'ils ont accompli là-dehors. Ça fera en sorte que notre communauté se développe de plus en plus. Ouais. C'est formidable. C'est exactement ce que j'ai dit à ces jeunes hommes. C'est dommage qu'ils ne nous aient pas attendus pour les remercier personnellement. Ouais, c'est exact, c'est exact. Ces jeunes gens sont de bons exemples. Eh bien, Igwe, je suggère que... Je sais que le Igwe leur donne à chacun un titre. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Très bien parlé. Votre Majesté, je pense que nous devons encourager ces gens pour le bien qu'ils font, pour que les autres puissent leur copier. Je suis d'accord avec cela. Je pense que ce genre de personnes, ces jeunes hommes, devraient être nommés pour avoir montré tant d'intérêt pour notre village. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions et nous te prions, Seigneur. Père, nous venons vers toi car il est écrit dans tes saintes écritures que l'homme doit te louer et te prier, Seigneur. Père, nous nous prosternons devant toi tout en espérant que tu écoutes nos prières, Seigneur. Le Dieu immortel et invisible, nous sommes tous pareils à tes yeux. Et nous venons te prier au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, tu as dit à chaque fois que nous te prions, nous devons avoir la foi et ce sera exaucé. Père, merci d'avoir entendu nos prières au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Je suis heureux d'être en vie aujourd'hui. Quelqu'un est-il heureux d'être en vie aujourd'hui? Dieu est en train de faire un miracle dans ma vie. Dieu est-il en train de faire un miracle dans la vie d'une personne ici? Alors applaudissons pour le Seigneur Tout-Puissant. Ce n'est pas suffisant pour le Seigneur Tout-Puissant. Le lion de la tribu de Juda, l'ancien des jours, l'auteur et le détenteur de notre foi. Allez, applaudissons pour lui. C'est bien continué comme ça. C'est ça. Quand le Saint-Esprit m'a recommandé il y a de cela un mois de quitter la ville et de venir à Omokoro, je savais que Dieu avait réservé quelque chose pour moi. Quand le Saint-Esprit m'a appelé Paul, va à Omokoro. Quand le Seigneur m'a permis d'avoir cette vision, et je savais que Dieu avait prévu quelque chose pour moi. Je vous dis que Dieu a prévu quelque chose pour chacun d'entre vous ici. Amen. Je vous dis que Dieu a prévu quelque chose pour chacun d'entre vous ici présent aujourd'hui. Amen. Et cela s'exauce sur le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous devez avoir la foi. Car dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 19 à 20, il est écrit, alors que les disciples s'approchèrent de Jésus et qu'il lui dit en privé, et lui demandait, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et à Jésus de leur répondre, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là à là et elle le fera. Oui. Et il ajoutait par la suite, rien ne vous sera impossible. Amen. Que tout le monde me donne un alléluia. Amen. Ce sont ses paroles, non les miennes. Car il a dit dans sa Bible, croyez en moi et vous aurez la vie éternelle. Croyez en ma prophétie et vous verrez des miracles. Le pécheur ne sera jamais heureux, même si les gens se réunissent pour prier pour lui. Et je vous dis ceci, il est temps pour vous de dire à Jésus, que c'est toi et personne d'autre. Et il est temps pour vous de dire avec certitude, face à face, toi, démon, prends cette eau. Amen. Que quelqu'un me donne un alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons un nouveau frère parmi nous. Et il s'appelle Fernando Okonkwo. Souhaitons-lui bienvenue avec amour. Non, mais tu t'imagines? Pourquoi ces jeunes gens veulent ce titre? Ce sont des jeunes hommes qui veulent de grands titres. Et Dieu en faut oui. Surtout, Jim, mon neveu. Savez-vous que ce garçon m'a donné l'argent juste une seule fois pour payer la pension de Kenna? Mais c'est lui qui est prêt à offrir des bourses à 10 élèves. Hey! Et Dieu en faut quoi? Voyons comment il va faire ça. Et celui d'Emeka, c'est le fils de mon ennemi, moi fort. Je ne laisserai jamais le fils de mon ennemi creuser des forages dans notre communauté. Jamais. Jamais. Moi fort ne peut pas triompher dans cette communauté. Jamais. Pas tant que je serai vivant. Écoutez, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose contre Obi. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Moi non plus, mais, je n'ai rien reçu. Mais pourquoi est-ce qu'elle procure un emploi à près de 100 jeunes de Mokoro, sans toutefois nous consulter, nous, anciens de Mokoro. Ils devraient nous consulter. Et c'est une très grosse injure. Une injure qui mérite une punition. Une très grosse insulte qui mérite une punition. Oui, il devra aller demander à un colis qui récolte déjà les fruits de son arrogance. Oh. Lui, as-tu déjà réglé son compte? Pas encore. Ce qui arrive à sa famille n'est que le commencement. Mm-hmm. Oui, quelque chose me dit qu'elle
vivront encore des choses pires que celles-là. C'est ce qu'ils savent faire. Ils préservent le meilleur pour la fin. qu'en est-il de James? Ah, James. Celui-là. Son calvaire vient juste de commencer. Cet homme ira mendier de maison en maison dans cette communauté. Hein? La honte et l'humiliation qu'il voulait m'apporter s'est maintenant retournée contre lui. As-tu eu des nouvelles de ton fils récemment? Celui-là? Je ne suis pas intéressé par le genre de vie qu'il veut mener. Tout ce qui m'importe, c'est qu'il n'apporte pas du tout la honte à Omokoro. Et ce, à mon nom. Non, je ne le laisserai pas du tout couvrir mon nom de honte. Non. Vous voyez, nos aînés disent que quand tu frappes un enfant avec ta main droite, tu devras le tirer avec ta main gauche. Ce garçon est ton fils. Tu ne peux pas l'abandonner juste comme ça. Oui. Attendez, je vais vous dire. Tu es son père. Attends, je vais t'aider. Est-ce que vous savez que ce garçon a volé 200 000 naira à son patron, hein? Sans même me donner la moitié, même pas la moitié. Au moins la moitié. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Ce jeune homme est de mauvaise foi. Oh. Tu vis avec lui. Oh. Oui. Je veux dire que... En fait, à l'instant où tu découvres un talent, en lui, il est encore petit. Eh bien, ce que tu as à faire, c'est de l'encourager. Tu as découvert que ton fils est un bon voleur. Hein? Et ensuite, tu l'as chassé. Imagine qu'il réussisse à voler des millions plus tard. Il ne pensera pas à toi. Par contre, si tu lui parles, en aparté, en lui tirant les oreilles, que voler n'est pas bien, que ce qu'il fait n'est pas une bonne chose, mais qu'il devra quand même se souvenir de son père s'il réussit. Hein? C'est un vrai talent qui peut aider. Les enfants de nos jours, ils sont insupportables. Ils le sont. Ils le sont. Un jour faut guiver. Ah! Maman, je ne fais que tousser depuis hier nuit. Je devrais peut-être aller chercher des médicaments. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai constaté que j'avais la toux. Où vais-je trouver l'argent pour acheter des médicaments? Mais maman, mon Clémé Coucou a dit que tu pouvais lui demander de l'aide. On ne lui demandera rien. Rien du tout. Maman, que pouvons-nous faire pour t'aider? Ne t'inquiète pas, mon sang. Je trouverai une solution. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris ce qui est arrivé aux enfants et vu que je suis le meilleur ami de ton mari, je croyais que tu allais venir me voir. Mais comme tu ne l'as pas fait, tout d'abord, j'étais très fâché. Mais je ne peux pas abandonner la famille de mon meilleur ami. Dis-moi, que puis-je faire pour vous aider? Nous n'avons pas besoin de ton aide. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Mais maman... Laisse-nous tranquille et fatin. Pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas tes enfants pour une fois? J'ai comme l'impression que c'est toi la véritable cause de tous les problèmes de cette famille. Les enfants, vous pouvez voir vous-même que votre mère est vraiment heureuse de vous voir dans ces conditions. Bien, je vais vous laisser. Maman, il pourrait nous aider. Nous n'avons pas besoin de son aide. Nous ne sommes pas des mendiants. Cet homme. Oh. Cet homme n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Allô,
Pourquoi est-ce que tu as laissé ta femme en ville? Elle est censée être ici pour te faire la cuisine et faire les autres tâches ménagères pour toi. Hein? Bienvenue, Ike. Merci. Ma femme m'a abandonné et est partie avec des enfants, car les choses sont devenues dures pour moi. Non, mais ce n'est pas possible. Ainsi va la vie. Ah, bien. Mon fils Uche est maintenant à Kaduna. Et il s'en sort très, très bien. Et il t'a envoyé. Vas-y, prends. Tu ne diras pas au moins que je suis méchant. Hein? Tu as refusé de prendre soin de mon fils. Et à présent, il continue à penser à toi. Allez, prends-le. C'est... Ichie, ce n'est pas ce que tu sembles croire. C'est juste un très gros malentendu. Bien, James, j'ai déjà tout oublié à propos de ça. Allez, prends. India for Google. Ah. Tout ça pour moi? Oui. Il a dit qu'il t'en verra encore plus. Il t'en verra encore plus. Mille naira. Exactement ça. Bien, dis-lui bientôt de ma gratitude. Je le lui dirai. Je le lui dirai. James, je dois partir maintenant. Pourquoi ne manges-tu pas un bois avec moi? Non. Pourquoi est-ce que je vais manger ce petit truc avec toi? Ça ne sera pas assez pour toi. Bien, Ichie, je te remercie énormément. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Prends soin de toi, d'accord? Hein? D'accord. Bye. Uche. Thank you.
Thank you.
Oui, mon fils. On était en train de planifier les obsèques de Dobby. Quand Emeka a eu un malaise. Et avant même son arrivée à l'hôpital, Emeka était déjà mort. Mon fils, t'en sais pas, Dieu sait ce qui est bon. Mais la question est de savoir pourquoi cela arrive. Pourquoi ça arrive? Comment est-ce que deux amis peuvent mourir en l'espace de deux semaines? Emeka. Emeka. Il y a quelque chose de louche. Emeka. Quelque chose de louche. Ah. S'il te plaît, fiston, mange ta nourriture. Emeka. Je sais, mange ta nourriture. T'en fais pas, hein? Mange ta nourriture. Nous en reparlerons plus tard. Mange, hein? Je ne comprends pas ce qui se passe, mon fils. Comment est-ce que deux de tes amis peuvent mourir en l'espace de deux semaines, hein? Maman, je ne sais pas dans quel monde nous vivons, maman. Je ne sais pas. Mon sixième sens me dit qu'il y a quelque chose de louche. Je pense que tu devrais arrêter de venir au village pour maman, un temps. Impossible, maman. Je ne peux pas fuir mon propre village. Ce n'est pas comme si tu fuyais ton village, mais tu fuis pour ton propre bien. Tu veux que je meure? Ne peux-tu pas voir? Juste après que tes amis et toi ayez visité le village, des choses étranges se sont produites. Les gens ne veulent pas ton évolution, s'il te plaît. Hein? Maman, arrête de parler de cette façon. Tu sais que tes craintes sont sans fondement. Ce qu'un aîné peut voir, est-on assis? Un enfant ne peut pas le voir, même étant sur un grand arbre. Hein? Mon fils, tu m'y mets. Bienvenue, mon oncle. Oh! Sois bienvenu. C'est une bonne chose que tu sois venu. Je voulais venir te voir, né. Ah, est-ce qu'il y a un problème? Hé, hey, c'est ton neveu Chimé. Il veut me tuer. Maman, calme-toi. Chimé, quel est le problème? Mon oncle, c'est ma mère. Elle se fait du souci pour rien à propos de la mort de mes amis. Elle craint que ce qui est arrivé à mes amis m'arrive. Je lui ai dit de ne plus venir au village. Je ne veux pas qu'il subisse le même sort qu'ont subi ses amis. Maman, calme-toi. Est-ce que tu veux que je meure? Calme-toi. Parle-lui. Calme-toi. Parle-lui. Calme-toi. Alors, mon fils, tu ne devrais pas t'en foutre des inquiétudes de ta mère de cette façon. C'est juste qu'elle se fait du souci pour toi. Mon oncle,
Je sais à quel point ma mère s'inquiète. Mais je trouve qu'elle en fait un peu trop pour un rien, calme-toi, mon oncle. Calme-toi, jeune homme, calme-toi. Tu sais, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie que nous ne comprenons pas. Hum? Maintenant, dis-moi, est-ce que tu pries? Tu vas à l'église? Oui, j'y vais. Oh. Tu sais, il y a plein de choses que tu ne peux pas comprendre. Alors, la mort de tes amis n'est peut-être pas ordinaire. Je ne te comprends pas. Je sais, je sais. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Puisque tu as dit que tu vas souvent à l'église. Hein? Bien. Je veux que tu pries. Et que tu pries bien. Alors, ta mère et moi, allons aussi prier pour toi. Mon oncle, je vais prier. Mais votre peur n'est pas justifiée. Ton oncle dit la vérité, prie, que ce soit pour une raison ou pas. Attends. Écoute, laisse-moi te dire. N'est-ce pas Jésus-Christ qui a demandé à ses disciples de prier contre toute attaque? Parce que n'importe quoi pourrait arriver. Ne vous inquiétez pas, rien ne m'arrivera. Oh, je sais. Mais, tu sais, j'aimerais que tu pries énormément pour que rien de mal ne puisse arriver à ta mère et moi. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu es celui sur qui toute la famille compte. Dis-le-lui, il ne sait pas. Mon oncle, je voudrais te remercier. J'apprécie vraiment tes efforts. Mais je peux t'assurer que rien ne va m'arriver. Ça, c'est mon fils. Les enfants m'ont dit que tu étais à la maison et que tu avais l'air enfant, mais tout ça... Oh oui, cela me rappelle. Hein? J'ai quelque chose pour toi. Mon oncle, viens. J'espère qu'il t'a gardé quelque viens, chose. Viens, mon oncle. Je m'en vais cuisiner. Parle-lui, s'il te plaît, parle-lui. T'en fais pas. Plusieurs jours que tu prends ce remède, mais apparemment rien n'a changé. Ne t'en fais pas, ça prendra effet. Ça va aller. Maman, tu as dit que tu viens de faire la fin de journée. Ça fait bien une semaine que tu souffres. Ça va aller, maman. Où est-ce que tu vas, mon fils? Maman, nous partons pour la communion. Pourquoi ne viens-tu pas avec nous? Toi et Ada. Non, sois raison, maman. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Non, so. Que tout se passe selon ta foi. S'il te plaît, fais attention. S'il te plaît, fais attention. Prends très bien soin de lui. Pas de soucis. Maman. Ne t'en fais pas, je prierai pour toi quand j'y serai. Ce n'est que moi et moi seul, ainsi que les ancêtres qui pourront révéler les causes de leur mort. Alors Igwe et tout le village croiront à ce que je dis. C'est exactement ce que nous voulons. La vérité ne doit pas être connue. Jamais elle ne sera connue. Je peux te l'assurer. Tu sais que nous te faisons entièrement confiance. Merci. Et nous te serons toujours loyal et honnête. Grand sage de Omokoro. Merci.
Merci, et merci une fois de plus pour ce que vous m'avez promis. Ça, c'est rien. Tu en auras encore plus que ça. Ce que vous avez amené est déjà suffisant. Nous ne saurons dire à quel point nous sommes reconnaissants, cher ami. Et ça ne sera jamais assez. Parce que même le Hocher en veut encore plus, malgré tout ce qu'il a déjà reçu et qu'il a eu à avaler. Il en veut encore plus. Oui. Vous pouvez partir. Que nos ancêtres vous protègent. Merci beaucoup. C'est bien. Nous avons déjà gagné cette guerre. Oh, oui. Nous exterminons tout ce que nous voulons. Nous faisons tout ce que nous voulons quand nous voulons. Oui. Chaque fois que nous voulons quelque chose, nous l'obtenons. Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. Tu réfléchis encore? Sois le bienvenu. Qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je faire? Ne serait-ce pas moi? James, James, le multimillionnaire, regarde-moi aujourd'hui. Mon employé a dû m'envoyer. Il a dû m'envoyer des vêtements. Ainsi que 1000 naira pour que je puisse prendre soin de moi. Je suis ruiné. Ne suis-je pas ruiné? Monsieur James, tu n'es pas ruiné. Les choses peuvent paraître difficiles. Tu traverses juste une période difficile. Tu n'es pas encore ruiné. Pas du tout. Écoute, en faisant le bilan de toute ma vie, qu'est-ce qu'il me reste? Tu as absolument tout ce qu'il faut. Tu as celui qui a le pouvoir de te rendre riche. Tu as Jésus. Tu as Jésus, monsieur James. Écoute, mes amis, tous les amis que j'avais, brusquement, ils m'ont tous abandonné. Personne ne m'a aidé. Pourquoi est-ce que tu choisis de te faire du mal? Je t'ai juste demandé de m'accompagner chez l'évangéliste Paul. Est-ce que c'est trop demandé? Mon frère, tu ne comprends pas ce que j'endure. Tu ne comprends pas. Je traverse un traumatisme émotionnel. J'ai tellement honte de moi. Frère James, tu ne dois pas pleurer. Jésus comprend ce que tu ressens. Il te comprend parfaitement. Et il a promis de t'aider. Ressaisis-toi et bats-toi. Ok? Obiageli, j'ai pitié d'un colio. Comment une seule personne peut avoir tous ces problèmes? Son fils est aveugle. Sa fille est presque infirme. Et elle a une forte toux qui ne veut pas partir. Ma sœur, c'est difficile à dire. C'est difficile. Écoute, ce que je ne comprends pas, pourquoi est-elle seule? Ça veut dire qu'elle a mis sa main quelque part. Ogechi. S'il te plaît, je t'ai appelé pour que tu me coiffes. Et non pour parler des autres. Pardon. Ne vois-tu pas que sa situation est inquiétante? Naï. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce qu'il y a un problème?
Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un peut-il me dire quelque chose? Ne me dites pas qu'il s'agit de Timmy. Je ne sais pas pourquoi cela nous arrive. Ah! Quelque chose de mal est arrivé à Timmy. Mon fils, est-il mort? Timmy a eu un accident. Il est mort. Hey! Oh bien qu'il y ait... Oh bien qu'il y ait... Aide-moi! Seigneur, aide-moi! Mon Dieu! Mais qu'est-ce que... Aide-moi! Nous ressentons tous du chagrin. Trois jeunes avec un avenir prometteur dont mon corps ne peut pas mourir comme ça. Il doit y avoir une cause à ça. Oui. Nous irons jusqu'à la racine de ce problème. On doit trouver ce qui a causé leur mort. Oui. Mais jeune homme, qu'as-tu à dire? Puis-je faire une suggestion? Vas-y. Je suis au carrefour. Et je suggère qu'on appelle l'évangéliste Paul pour prier par rapport à tout ceci. Excusez-moi, Igwe. Oui, vas-y. Je voudrais répondre à ce jeune homme. Vas-y. Comment est-ce que tu t'appelles? Au carrefour. Au carrefour. N'es-tu pas au carrefour qui s'est récemment marié? Oui. Comment va ta femme? Ma femme n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe. La ferme! Ne dis pas ce que tu ne connais pas. Tu ferais mieux d'aller confronter ta nouvelle épouse au lieu de venir ici pour nous insulter. Idiot vous foutre. Hein? Et tu veux faire venir cette évangéliste. L'évangéliste Paul. Peu importe comment tu l'appelles. Voudrais-tu qu'on abandonne les traditions de nos ancêtres? Idiot qu'on fout. Hey! Il n'y a rien de mal dans ce qu'Okafor a dit, Votre Majesté. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'il n'y avait rien de mal avec le fait d'inviter l'évangéliste Paul pour prier pour ce problème. Idiot qu'il fout, bon. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Hein? Tu penses qu'il s'agit de mon fils que tu as refusé d'aider? Je n'ai jamais refusé d'aider ton fils. Je l'ai accueilli chez moi. Il m'a volé et a détruit mes affaires. Idiot qui fouille, ben. Il a traité mon fils de voleur. D'accord. Qu'est-ce que mon fils t'a envoyé récemment quand tu étais sur le point de mourir de faim? Dis-le au monde entier. Dis à tout le monde que ton fils m'a acheté une chemise. Un pantalon et aussi 1000 leiras. Dis-le à tout le monde. Très bien. Très bien. Maintenant, retire cette chemise que mon fils t'a envoyée. Je suis prêt à l'enlever ici même. Retire. L'affaire. L'affaire. Si tu retires la chemise, seras-tu aussi prêt à retirer le pantalon et rentrer chez toi en sous-vêtements? Hein? Même si c'est que tu es prêt à t'humilier devant tout ce village. Qu'en est-il exactement des 1000 naira? Es-tu sûr d'avoir encore un kobo sur toi? Va t'asseoir avec ta pauvreté et ne t'humilie pas davantage. Je regrette d'avoir pris quelque chose venant de toi. Il n'y a pas de problème si tu regrettes.
Mais la vérité, c'est que tu n'as même pas un kobo sur toi. Tu es un homme pauvre dans ce village. Qui lui a donné l'autorisation de parler? Ça suffit. Nous ne sommes pas venus ici pour parler des affaires personnelles. Tu ne l'as pas entendu quand il a traité mon fils de voleur? Écoutez, ce n'est pas ce qui nous a emmenés ici. Idiot, Ifueba. Ça va, ça va. Ifueba. Votre Majesté, vous devez parler à ces jeunes notables. Il faut qu'ils apprennent à tenir leur langue. Et ce pauvre type qui n'est même pas reconnaissant pour ce qu'on lui a donné, Igwe, vous devez... Il mérite une bonne leçon. En attendant, je suggère qu'on appelle le Ezemo Dumokoro. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Parce que le Ezemo Dumokoro a toujours su gérer de tels problèmes. Depuis l'époque du temps de nos ancêtres. Andetchelekwanye. Exactement. Nous devons appeler Zenwo. Il s'agit aussi de mon propre neveu. Nous devons savoir pourquoi ces jeunes hommes meurent. Oui, oui. Afin que nous puissions éviter ce genre de drame dans le futur. Nous aurons les réponses à nos questions. Le Zenwo est là. Ezemo est là. Igwe! Le gardien d'Omokoro. Celui qui peut voir ce que les gens ne peuvent pas voir. Sois le bienvenu, notre Ezemo. Nous étions sur le point d'envoyer quelqu'un te chercher. Les dieux m'avaient déjà prévenu avant que vous ne veniez me chercher. Demande au dieu qu'ils nous disent la raison de tous ces morts étranges. Trois jeunes hommes avec un futur brillant. Quelle pourrait être la cause? Ah. Des morts étranges. Dans une autre génération. La mort d'une princesse. Une princesse? Oui. Une princesse. Elle faisait des offrandes afin de satisfaire les dieux en son temps. Elle n'était plus du tout bien. Un enfant sacré des dieux. Ses morts subites est ainsi que son esprit réclame des offrandes pour effacer les erreurs du passé. Il y aura encore d'autres morts. Encore d'autres morts étranges si son esprit ne trouve pas le repos éternel. C'est ce que le gardien voit, votre majesté. Que les dieux fassent preuve de clémence envers nous. Mais que faut-il pour ces sacrifices? Qu'est-ce que les dieux peuvent bien nous demander? Brabasana, pas que n'a pas comme ça, Kouna. Ah, Agona Gafoda. Connais-tu Nadja? Ok, Nadja, non, vous devrez. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Deux chèvres. Cinq coqs. Deux bidons d'huile rouge, 20 turbécules d'igname. Voilà ce que voit le gardien, votre majesté. Igwe, sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple avant que plus de malheur n'arrive dans ce village. Eh bien, on l'a tous entendu. Toute personne adulte de Mokoro doit participer à cette tâche. Je veux que tout le monde le garde en tête. Hein? Ise.
C'est pourquoi Ichi a voulu m'humilier en public de cette façon. Je pensais que tout était réglé. Ne parle pas de cette façon. Il n'y a que Dieu qui voit le cœur des hommes. Dieu seul sait ce qui est bien pour ses enfants. Dieu seul sait. Ne parle pas ainsi, James. Ne parle pas ainsi, James. Dieu sait ce qui est bien. Il sait ce qui est bien. Pourquoi sont-ils autant opposés à ce que l'évangéliste Paul prie pour ce problème? Pourquoi sont-ils contre? Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas la vérité. Mais je sais qu'un jour, la vérité éclatera. Crois-moi. En passant, quelle est ton opinion concernant ce que Ezemo a dit? Qu'est-ce que tu en penses? La vérité sera révélée au grand jour. La lumière de Dieu? Oui, la lumière de Dieu. Quand elle illuminera tout le noir qui couvre tout ce village. Honnêtement, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Exactement. J'ai vraiment hâte. Le gardien de la communauté de Mokoro, nous ne pourrons jamais... Ce qui devait être fait. Mmh. Oui, merci. Ah, mais il y a encore ce petit problème qu'il faut résoudre. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de cet évangéliste Paul, ou peu importe comment il s'appelle. Ah, oui. Qu'a-t-il fait? Vous ne trouvez pas qu'il est une menace? Oui. Hein? Ne vous en faites pas pour ces jeunes hommes. Hein? Ils adorent un dieu inexistant. Il suffit juste que j'invoque les dieux. Tous. Est-ce que tu es sûr de ça? Hein? Tu doutes de moi? Tu voudrais voir que j'invoque la mort sur lui tout de suite? Non, pas du tout. C'est juste que il nous a vraiment causé beaucoup de tort. Hein? Est-ce que tu parles de ce jeune homme qui s'est confronté à toi à la réunion? Oui, et je me demande ce qui a poussé James à me répondre. C'est de la frustration. C'est tout et rien de plus. Exactement. Je veux dire, qu'est-ce que tu attends d'un jeune homme qui n'arrive même pas à manger? Hein? Je pense que tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Messieurs, pouvons-nous commencer avec le partage? Hein? Non, notre gardien. Tout ce que je vois ici est pour toi. Non, non, je ne peux pas accepter tout ceci. Nous allons le partager. Viens comme tu voudras. Je souhaiterais que vous preniez aussi pour vous. Oui, ce sera comme tu veux. Oui, notre gardien, toutes ces chèvres, tu en auras une. Et nous aurons une pour faire notre soupe. Oh bien, Fokwaim. Et tous ces bidons d'huile, tu en auras un. Et nous aussi, on pourra se partager. Hein. Tu pourras garder les colas parce qu'on en consomme tout le temps. Les ignames. Loué soit le Seigneur. Alléluia! La messe d'aujourd'hui sera basée sur les Écritures Éphésiens. Chapitre 6, du verset 12 à 13. Et il est écrit. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la mauvaise domination pour nos esprits, contre les méchants, les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, pour que si ces démons arrivent, que nous puissions résister dans les mauvais jours et de se tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était le message de l'apôtre Paul aux chrétiens dans Éphésiens. Et ce message s'applique à chacun de nous ici présents. Plein de mauvaises choses se passent autour de nous. Des gens méchants, des mauvaises choses se passent. Mais je veux vous dire aujourd'hui que l'armure de Dieu, l'arme la plus puissante de Dieu, ils ne pourront pas nous avoir. Amen. Nous allons surmonter les jours difficiles et nous serons victorieux à la fin. Criez Alléluia! Amen! Dans Exode 3, verset 7, il dit, j'ai vu la terrible souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis l'Éternel, et je connais toutes leurs souffrances. Et son but est que vous soyez des victorieux. Et vous, vous serez victorieux au nom de Jésus! Amen! Je l'ai toujours dit. Il y a une raison pour laquelle Dieu m'envoya au Mokoro. Exactement comme vous êtes venu ici aujourd'hui pour une raison. Amen. Et c'est parce que vous devez être victorieux. Vous êtes victorieux au nom de Jésus. Je me fiche si vous ne pouvez pas manger 3 fois par jour. Je m'en fiche de ce que vous pouvez endurer. Je m'en fiche si vous n'arrivez pas à bien vous nourrir. Je m'en fiche si vous êtes infirme ou aveugle. Je m'en fiche si votre ennemi a dit
que vous n'allez pas prospérer. Tout ce que je vous dis, c'est que... Je sais que son but est que vous puissiez réussir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il sera victorieux au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il sera guéri de l'étape d'handicap dans laquelle tu es aujourd'hui. Il sera délivré de cette situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Je proclame qu'aujourd'hui, tu seras victorieux. Je proclame que tu seras victorieux. Père, je te le dis. Commençons à prier au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je prie Dieu que l'ennemi, que tous les plans de l'ennemi soient détruits. Tu es notre sauveur et c'est toi qui guéris, Seigneur. Toi, Seigneur, que tous les plans de l'ennemi soient nuls et sans effet. C'est toi notre Seigneur, c'est toi notre sauveur. Majesté, je pense que nous devrions faire quelque chose avant que la situation nous échappe. Nous devons renforcer la sécurité dans notre village avant que les bandits de la ville nous attaquent. Des bandits! Des bandits! Hein? Ndjobu! Igwe! Que se passe-t-il encore cette fois? Ça ne va pas, votre majesté. Ils ont dit que Tchoukoudé, le fils de Biojofor, qui est devenu récemment riche grâce à son maître, était en train de retourner de Donitia à Lagos quand les bandits ont attaqué le véhicule dans lequel il était. Il s'est fait aussi attaquer. Jofokwige. C'est une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas bien du tout. Je croyais que Ezemu avait déjà fait les offrandes. Oui, il l'a fait. Pourquoi y a-t-il encore des morts? Votre
Votre Majesté, je suggère qu'on aille voir ces jeunes avant qu'ils ne prennent une décision. Ijafokwege, ils ne peuvent absolument rien faire. Ils ne peuvent pas. Nous irons les voir. Hein? Nous irons les voir. Jeune Dumurkoro, s'il vous plaît, calmez-vous. Votre roi se tient devant vous. Votre Majesté, des jeunes ne font que mourir. Nous voulons une solution. Jeune Dumurkoro. Je comprends votre plainte. Je veux vous assurer que nous cherchons une réponse à cela. Votre Majesté, nous n'avons encore rien vu. Tout ce que nous voulons, c'est que vous agissiez. Agissez! Jeune Dumurkoro, nous avons fait des sacrifices comme Ezemo l'a demandé. Je peux vous assurer que nous devons encore le consulter. Majesté, pourquoi pas l'évangéliste Paul? Nous voulons l'évangéliste Paul! L'évangéliste Paul! Je comprends ce que vous ressentez. Je le comprends parfaitement. Mais nous ne pouvons pas désobéir à nos traditions. Oui. Ce que le roi dit est vrai. Le grand prêtre est le gardien de nos traditions. Et nous ne pouvons pas du tout l'abandonner. Peu importe, nous voulons l'évangéliste Paul. La réponse n'est pas en votre évangéliste Paul. Igwe. Votre Majesté, j'aimerais leur parler. Jeune Dumurkoro, sincèrement, je comprends ce que vous ressentez. Ne faites pas en sorte qu'on réveille la colère des dieux. Les dieux risquent de se fâcher et peuvent nous détruire si nous les laissons pour chercher une solution ailleurs. Vous savez, le problème est presque résolu. Le problème est résolu. Les dieux ont dit qu'il n'y aura plus jamais ce genre de mort. Plus jamais. Jeune Dumurkoro, je compatis avec vous. Mais avec ce que Ezemo vient de dire, je vous conseillerais de rentrer chez vous et de faire votre deuil en paix. Hein? C'est compris? C'est l'évangéliste Paul que nous voulons. L'évangéliste Paul est un mensonge. L'évangéliste Paul a dit que c'est un mensonge. Ces gens que vous voyez là ne peuvent pas vous faire du mal. Êtes-vous prêt pour cette guerre? Oui, mais... je suis prêt. Merci, mon frère. Qu'en est-il des autres? Oui, nous sommes Êtes-vous prêts pour cette bataille? Oui, nous sommes Il est écrit prêts. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Sommes-nous prêts à confronter ces méchants avec force? Dans ce cas, la bataille sera rude. Dès demain matin, nous allons nous rassembler sur la place du marché pour 7 jours de jeûne avec prière. Dieu se révélera au peuple Dumurkoro. Je dis que Dieu se révélera au peuple Dumurkoro. Amen. Tout comme il s'est révélé à Daniel dans la fournaise même, tout comme il a fait avec les veuves très pauvres dans le temps d'Élie. Je dis d'adorer le Seigneur en vérité et en esprit. La Bible dit dans le livre d'Isaïe, chapitre 54, verset 4, « Ne crains pas. Car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré au nom de Jésus. Arise,
Itiemiri, bonjour. Bonjour. Est-ce que ton mari est là? Oui, il est au salon. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Appelle-le. Ah, bonjour. Bienvenue. Va apprêter mon repas. D'accord. Vas-y, vas-y. J'y vais. Va préparer mon repas. Ok. Ah, à te voir arriver chez moi comme ça très tôt le matin. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a du nouveau. Ah. Ce jeune homme, cet évangéliste et ses disciples, ils sont en train de prier à la place du marché. Et Geoff O'Quigg, qu'est-ce que tu venais de dire? Qu'est-ce que tu as dit? Ikena a dit qu'il les a vus en train de prier sur la place du marché. Et Geoff O'Quigg. Et Geoff O'Quigg. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Nous ne pouvons pas les laisser détruire nos traditions. C'est nous ne pouvons pas. Nous devons aller voir Imekoku immédiatement. Attends-moi, j'arrive tout de suite. D'accord. Que tout mauvais esprit de ce village, que ces esprits soient anéantis et qu'ils aillent brûler dans le feu de l'enfer. Dieu invisible et immortel, je crois en ta parole qui dit que nous ne devons plus avoir crainte. Isaïe 54, verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Père, nous savons que tu es le roi. Nous te demandons, ô Père Tout-Puissant, que toutes les mauvaises personnes de ce village seront détruites au Seigneur Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô toi, Père qui es aux cieux, viens purifier, viens consacrer et viens prendre possession.
de toute personne qui est dans la souffrance et donne-leur la guérison au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce au toi, Dieu des mortels et le Dieu des immortels, Seigneur. Prends possession de ce village et que tous les malheurs, Seigneur, et tous les déboires de cette famille soient détruits. Que tout cela disparaisse afin qu'ils puissent crier la joie du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, fais-le, car tu as dit dans tes Écritures que tu nous écouteras toujours. Père, nous te remercions d'avoir écouté nos prières, car nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Serviteur de Dieu, mon cœur saigne. Vous êtes des élus de Dieu. Et ma Bible dit que la colère d'un roi est comme le rugissement d'un lion. Et quiconque le défie mettra sa vie en péril. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous de choisir. Soit nous sommes avec le royaume des méchants, ou alors le royaume des cieux. Ma famille et moi, nous sommes partisans du royaume des cieux, au nom puissant du Seigneur Jésus. La guerre a été déclarée. Quiconque est responsable des morts étranges à Oumokoro, cette personne recevra le feu des dieux. Et il brûlera, il brûlera, il brûlera au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que vous mettiez tous en présence du Seigneur. Nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur Tout-Puissant. Maintenant, priez. As-tu entendu ce qui s'est passé? Concernant tous ces gens sur la place du marché. Oui, nous devons agir maintenant. Nous ne pouvons pas les laisser continuer. Il y a faut quoi, ben. Hein? Nous devons voir Ngolé. Non, je pense que nous devons aller voir Ezemo. Non. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il pouvait invoquer les dieux pour qu'ils leur règlent leur compte. Cette fois, je préfère Ngolé. Non, c'est mieux de voir Ezemo. Non. Qu'est-ce que le grand prêtre connaît? Quoi? Mais comment peux-tu dire ça? C'est Ngolé qui a tout appris au grand prêtre. Mais c'est avec Ezemo que nous travaillons depuis. Non, Ngolé est plus puissant. Ezemo est plus fort. C'est plutôt Ngolé. Pourquoi veux-tu qu'on fasse comme tu veux? Pourquoi ça doit se faire comme tu dis? Simplement parce que Ezemo est meilleur. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que oui. Tu n'en sais rien. Qu'est-ce que tu en sais? Tu me poses la question. Qu'est-ce que tu... Tu oses me demander ce que j'en sais? Oui, oui. Je sais que Ezemo peut le faire. Voilà ce que je sais. Ne me défie pas. Je vais te défier. Hein? Je vais te défier. Pour qui est-ce que... Tu oses me challenger, moi? Je te défie. Moi? Je te défie. Amuka, Tchala. Atsala Nani. Je te mets au défi. Tu oses me défier. Je te mets au défi. Nous n'allons pas voir le grand prêtre. C'est dit que nous allons voir. Nous irons plutôt voir Ngolé. Et ce n'est que lui que nous irons voir. C'est soit nous allons voir Ngolé ou personne d'autre. C'est Ngolé que nous irons voir. C'est Ngolé. J'ai dit c'est Ezemo que nous irons voir. Que tu le veuilles ou non. Dis quelque chose. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Hein? Dis quelque chose. Regarde-le. Il rit. Nous devons faire quelque chose. Je ne suis pas intéressé. Une joie faut quoi, ben. Qu'est-ce que tu as dit? Ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Tu ne peux pas dire que tu n'es plus intéressé. Et si on se faisait démasquer? Et si on se fait démasquer? Est-ce qu'ils viendront ici chez moi pour m'attaquer? Tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux. Non, tu plaisantes. Je suis très sérieux. Tu plaisantes. Je suis très sérieux. Tu plaisantes. Je suis sérieux. Tu plaisantes. Écoute, il a sûrement perdu la tête. Je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Reviens ici. Je suis très sérieux. Tu ne plaisantes pas. Ah oui, c'est ça. Tu vas te battre contre moi. Ok, Amoka. Tu vas te battre avec moi. Est-ce qu'il ne va pas chez toi? Hein? Tu vas te battre contre moi. Amoka. Qu'est-ce qui lui arrive?
Dis-moi que tu n'es pas sérieux ou je te tuerai. Attends, attends. N'es-tu pas fatigué de tuer des gens? N'as-tu pas fait couler assez de sang? Mon ami, dégage de chez moi. Mais tu l'as tué. Pourquoi a-t-il dit qu'il n'était plus intéressé? Mais ce n'est pas une raison pour le tuer. Tu es devenu fou. Tu me traites de fou? Oui. Hein? Que je suis fou? Oui. Hein? Tu veux m'attaquer? Tu t'enfuis? Tu veux que je te tue comme j'ai tué mes coucous? Je t'attraperai. Cours, je vais t'attraper. Chronique chapitre 7, verset 14. Il est écrit : si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Écoutez, la Bible nous dit que la prière est la clé, que si nous nous rabaissons et que nous prions, il sera toujours près de nous à nous écouter. Et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies. La Bible nous dit que si nous devons faire face à Dieu, et laissez tout ce que nous faisons de mauvais pour que Dieu écoute nos prières. Je les exaucerai des cieux. Je pardonnerai leurs péchés. Je guérirai son pays. Je l'exaucerai des cieux. C'est pour cela que nous sommes ici. Pour connaître la face de Dieu, pour qu'il puisse guérir le village de Mokoro. Alléluia. Louez le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. À l'aide. S'il vous plaît, arrêtez-le. Quelqu'un l'arrête, il veut me tuer. Il veut me tuer! Arrêtez-le, s'il vous plaît! Il veut me tuer! Pardon! Je vais le tuer! Pardon! Je vais le tuer! Il veut me tuer comme l'a tué mes coucous! Il a tué mes coucous parce que mes coucous a dit qu'il ne veut plus tuer! Qu'il ne veut plus tuer les gens! Tiens, coucou, mais! Moi! Tu parles! N'est-ce pas toi et mes coucous qui m'avaient introduit dans ce gang maléfique? C'est faux! C'est toi qui nous a présenté à Angoli! Le marabout, pour qu'il nous aide à tuer les gens. Njof ou Kwibe, c'est un mensonge. Le grand prêtre est mon témoin. Il est au courant de tout. Il sait que vous deux, vous avez tué beaucoup de gens de ce village. C'est faux. C'est lui qui a tué plusieurs personnes. Je n'ai que tué deux. J'ai tué Paul, le fils de Dukachi. Et Timé, et le fils de mon grand frère. C'est tout, je n'ai que tué deux. Hein? N'est-ce pas toi qui a ruiné les affaires de James? Hein? Et c'est toi qui a ruiné les affaires de James? Et n'est-ce pas toi qui nous a demandé de tuer Obi? Hein? Et c'est toi qui a tué Chukudi, le fils d'Obi Jafar? Hein? C'est lui qui a demandé à Ezewan de raconter des mensonges concernant la princesse qui voulait se venger. D'accord! C'est ton tour! Je vais te tuer! Non! Au nom de Jésus-Christ! Pourquoi est-ce que vous me regardez tous? Est-ce que je suis comme mes coucous qui a tué au Congo pour prendre sa femme Koli? Hein? C'est mes coucous qui a rendu Nonso aveugle. Le même mes coucous a rendu Adam infirme. Oui! Mes coucous a tué Omega parce que son père était son ennemi. Oh oui! Oh oui! Oh! Oh! Je suis fatigué de ce monde! Oh! J'ai tué beaucoup de personnes! Drop ou Quig! Oh! Je me déteste! Oh! Oh Seigneur mon Dieu! Oh! Viens!
et prends ma vie. Amène-moi en enfer. Et j'irai brûler là-bas. Brûler jusqu'à la cendre. Je suis un diable. Et aussi un tueur. Viens me chercher. Un meurtrier. Un meurtrier. Amoga, Adjela. Adjalalani. Njobukwibe. Viens. Viens me chercher. Ah. Ah. Mokhalis, toi. Non. Toi. Non. Mais toi. Allons chez Ezebou. Ouzobou, Ouzobou. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Je vous avais dit que Dieu allait révéler la vérité au peuple de Mokoro. Tu ne vivras plus jamais ce malheur que tu traverses en ce moment. Et Dieu a révélé la vérité au peuple de Mokoro. Loué soit l'Éternel. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Frères et sœurs, je veux que vous baissiez vos têtes et que vous ouvriez vos cœurs afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Je vais prier. Notre Père qui es aux cieux, je te remercie et je te prie pour cette grâce que tu nous as faite. Que le Saint-Esprit prenne possession de toi. Et il m'a choisi et m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux autres. Père, pour guérir les malades, pour redonner la foi, pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer ceux qui étaient emprisonnés. Et libérer ceux qui sont emprisonnés. Père, je te remercie. Père, tu nous as donné la grâce de recevoir. Alors je te prie, Seigneur, bénis tes enfants que nous sommes. Amène-nous devant la lumière de ta gloire, Seigneur. Père, tu m'as envoyé ici pour propager ta parole. Oh Seigneur. Je pense que le moment est arrivé. Retrouve la vue! Au nom de Jésus, je te remercie, Père. Père, tu m'as donné la grâce de pouvoir guérir et de délivrer les âmes emprisonnées. Et je te remercie pour ça. Père, tu m'as envoyé sur terre pour délivrer ces malades. Pour ramener les âmes perdues au nom de Jésus-Christ. Et tu l'as joué. Père, je te prie par le nom de ton fils de Seigneur Pasteur. Jésus. Pasteur, je peux voir. Et tout par ta volonté. Je peux voir. Loué soit Dieu. Et je peux faire tout ceci grâce à ta volonté, Seigneur. Je suis délivré. Éternel et tout-puissant, que ta volonté soit faite sur cette terre comme dans les cieux. Amalo! Amalo! Cri, baba, 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 c
Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme
dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Oh woman, you're so demanding. Chuku ife, onye mebi, onye anyofu, imelu mala. Chuku ife, oh woman, you're so demanding. Chuku ife. Amen.